Service public. François Fillon. Je ne pourrais pas être candidat à la présidence de la République si j'étais mis en examen. Propose une casse sociale sans précédent pour notre pays. 100 milliards d'euros de baisse de dépenses publiques et la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. Vous êtes virés. Sa solution pour compenser la perte de ces postes, l'augmentation du temps de travail de 35 à 39 heures des fonctionnaires. Il veut donc augmenter la pression et la pénibilité au travail des fonctionnaires tout en les rémunérant moins. Attention, petit exercice de mathématiques. Si tu travailles 39 heures, payé 35, avec un SMIC brut de 1480,27 € et que toi, contrairement à d'autres qui gagnent 25 000 euros par mois, tu parviens à mettre de côté chaque mois 150 euros, sais-tu ce que tu pourras t'acheter au bout de 4680 heures, soit 10 ans de travail? La réponse est un costume à 18 000 euros. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Le diagnostic qu'il fait est parfait. J'ai pas grand-chose à y ajouter. Le risque que nous courons avec François Fillon, c'est donc un recul sans précédent de nos services publics. Et donc, plus d'inégalités. Benoît Hamon le sait, c'est sur nos infirmiers, nos policiers, nos gendarmes, nos professeurs. C'est sur nos fonctionnaires que tout repose. Là où François Fillon veut désarmer la France, nous voulons au contraire la rendre plus forte. Pour cela, nous recruterons davantage de fonctionnaires. Nous améliorerons leurs conditions de travail et leurs salaires. Dans l'éducation nationale, mais aussi dans les maisons de retraite. La garantie de services publics universel que nous mettrons en place garantira que chaque Français ait, à 30 minutes de son domicile, accès à une poste, un commissariat, une caserne de pompiers, un établissement de santé ou une école. Défendre le service public, c'est nous défendre. Ensemble, faisons battre le cœur de la France. On n'est respecté que quand on est honnête, qu'on est transparent.